Dimanche 10 mai, le 55e et dernier jour de confinement se lève. Mercredi 13 mai 2020, avec un de mes beaux-frères, nous devions nous retrouver à Vézelay pour faire le chemin d'Assises. Vézelay-Assises, 1500 km, chemin de paix, de tolérance, etc. Puis jusqu'au jour où, où il y a eu le corona. Alors ne croyez pas que pour nous, la vie va reprendre comme avant. Enfin, vous allez voir le comme avant. Que c'est pas exactement le même que tout le monde. À tout de suite. Et voilà, encore des petits protégés, sauvés des pattes d'un chien qui voulait les manger. Encore ? Eh oui, encore. C'est bon ça. Petit oiseau de confinement. En voilà un confiné. Qu'est-ce que tu viens faire ici ? Qu'est-ce que tu viens t'enfermer? Attends, je vais t'aider. Hop. Oh là là. Le beau scarabée. Oh, tu sembles mal en point. Hop, hop. Voilà. Remerciement privé. Merci à Vincent. Et à mes amis d'exquis cadavres. Avec eux, chaque jour, on accueillit dans nos téléphones des images d'animaux et d'arbres. Vraiment très tranquille, des gouttes de rosée, des chants, des danses, et partagé. Merci à ma voisine de 89 ans de m'avoir ouvert sa fenêtre sans peur pour un brin de Cosette. Merci à mon voisin que je n'aimais pas et que maintenant j'aime bien. Merci aux résidents de l'EHPAD de Mazille de m'avoir fait rire et pleurer tous les mercredis. Merci au pangolin que je ne connaissais pas. Il a une bonne tête. Merci au Covid-19 pour ce vide collectif, cette expérience déchirante, troublante, délirante, effrayante. Merci à mon chat, fidèle compagnon de confinement. Puissions-nous ne jamais oublier ces jours ainsi que ceux d'avant et répéter comme un mantra. Plus jamais ça, plus jamais ça, plus jamais ça. Putain, ça déconfine partout. Une année à fourmis, une année à insectes, à mouches et autres.
aller travailler si le télétravail est impossible, faire des courses de première nécessité, faire garder ses enfants ou aider des personnes vulnérables, aller chez un professionnel de santé si vous n'avez pas de signe de la maladie. Dans tous les cas, respectez un mètre de distance avec toute personne et appliquez systématiquement les gestes barrières. Lavez-vous très régulièrement les mains avec du savon ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir. Utilisez des mouchoirs à usage unique, puis jetez-les. Saluez sans serrer la main et arrêtez les embrassades. Plus d'informations au 0800 130 000 ou sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.